ry avana ny teny angalana ny afatra ao antsika androany an dia zay voasoratra ao amiy matio toko fadimy am'y roapolo andinyny faefatra ambiny folo ka atramo fatelopolo mitantara izany amin'n'ireo talenta izay no zarainy tompo notre évangile du jour fait partie d d'un discours kui a commencé au chapitre 24, qu'on appelle le discours eschatologique de Jésus. Naoué, discours sur la fin des temps. Nous attendons tous le retour du Christ, mais nous ne savons pas quand ce moment arrivera. Dans Acte chapitre 1, verset 7, Jésus a dit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. mbola namafisin'ny paoly apôstoly ry avan' izany teny zany an tao amin'ny tessalônianina voalohany toko fahadiny andinyny voalohasy faharoa zay ny vakiitsika teo manao hoe fa amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy de tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny androny tompo pour ce qui et de temps Et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans, comme dans la parabole des dix vierges, notre lecture de la semaine dernière, personne ne sait à quelle heure l'époux viendra. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il viendra dans la nuit comme un voleur. La nuit ici représente un moment d'épreuve, un moment très difficile que les disciples du Christ et les croyants vont traverser avant le retour du Christ, avant son retour. Chers frères et sœurs, beaucoup, beaucoup de gens autour de nous ne s'en soucient pas. Ils ne pensent qu'à s'intéresser au monde et à leur plaisir. Mais nous, nous qui sommes des enfants de la lumière et des enfants du jour, Soyons vigilants, frères et sœurs. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, disait l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. De même que l'époux dans la parabole des dix vierges, le maître ici, aussi attardé à venir mais il est venu il a fini par venir le maître de ses serviteurs revint dans ce parabole dans cette parabole un maître part en voyage et confie ses biens à ses serviteurs on peut voir donc l'image du Christ ici qui se prépare à confier l'Église à ses disciples jusqu'à son retour. D'un point de vue humain, nous pouvons penser que le Maître ici n'est pas juste.

etleur capacité respective ilahay andriamanitra maalala ny vosiny fo maalala izay ilainao sy mahasoanao ary manome anao araka izany fa tsy araka izay iriny fonao izay ilainao sy mahasoanao no men'aandriamanitra anao fa tsy izay iriny fonao akory dieu nozaconfie des talent à la mesure de nos capacité cheres frères et seur Je n'ai pas à me demander pourquoi je ne suis pas ce que je ne suis pas. Voilà. Pourquoi Parce que des fois même, il nous arrive de mépriser le talent que Dieu nous a donné et les enterrer. Posons-nous la question, comment vais-je fructifier ce que j'ai Au service de quoi Au service de qui J'utilise les talents qui sont les miens. Ce que nous ne savons pas dans ce texte, c'est que le maître... A confié un grand trésor à chaque serviteur. Même celui qui n'a reçu qu'un seul talent est déjà à la tête d'une belle fortune. Car le talent, ici, c'est le talent, mais ça vient du mot grec talenton. Le talenton est une monnaie grecque équivalente de 6000 deniers. Un talent équivaut. En fait, un talenton équivaut au salaire de 6000 journées de travail en Israël. À peu près, si on fait le compte, ça fait 17 ans de salaire. Donc, même celui qui n'a reçu qu'un seul talent, il a déjà reçu l'équivalent de 17 ans de salaire. Le salaire journalier en Israël était de 1 denier. Christ nous donne des talents en fonction de nos aptitudes. Aux uns, il donne plus, aux autres, il donne moins. Mais quoi qu'il donne, quoi qu'il donne, il veut que nous nous en servions. S'il nous donne du terrain, c'est qu'il veut que nous la travaillions. S'il nous donne le privilège de poursuivre nos études, il veut que nous en profitions. S'il nous donne une église, c'est qu'il veut que nous en fassions bon usage, chers frères et sœurs. Nous devons mettre nos talents au service de l'évangile. Et c'est dès aujourd'hui hein, que nous devons le faire. Ça, des autres, il y a des fois malheureusement, parce que tu connais bien son talent, tu sais qu'il y a où est notre pensionnaire de filage en charge c'est le Les paroles élogieuses du Maître, les paroles élogieuses du Maître et sa joie sont exactement les mêmes pour celui qui a gagné cinq talents et pour celui qui n'en a gagné que deux. Il ne faut pas car c'est la, la tendance que nous avons tous. Il ne faut pas enfermer ce texte dans la théologie du mérite, car cette parabole met en évidence la générosité du Maître, la générosité du Seigneur, la générosité de Dieu. La valeur d'une personne ne dépend pas du nombre de talents qu'elle a, mais de la façon dont elle les a fait fructifier. Tu as été digne de confiance, le Seigneur t'en confiera encore plus. Mais ceci n'est valable que si nous sommes comme les deux premiers serviteurs. Nous utilisons nos talents à bon escient et pour la gloire de Dieu. Dans ce texte, Jésus met en scène un troisième serviteur, Fatel, celui qui n'a reçu qu'un talent. Le problème n'est pas dans le fait qu'il n'a reçu qu'un seul talent. Le problème de ce troisième serviteur, c'est sa mentalité. Il reproche au maître d'être un homme dur, qui moissonne là où il n'a pas semé. e amasy laoly napa reponji vakeo tsarane le teste zao ny lazainy tao tompoko fantatro fa olona mila voatsara ianao mijinja eny am'izay tsy namafazanao ary manangana eny am'izay tsy namafazanao diso ry avany ty mpanompo ty na nome tsiny a'dntr diso izy nanome tsiny an'ilay tompony satria adinony fa ni tompony any eny na nome azy an'la talenty Le problème, c'est que ce serviteur est sûr de son bon droit alors qu'il n'a rien compris. C'est vraiment l'inverse de ce qu'il pense qui s'est passé. Le maître a distribué tous ses biens à ses serviteurs. Le maître a distribué tous ses biens à ses serviteurs. Et il n'est mentionné nulle part dans ce texte que le maître voulait tout récupérer. Il voulait juste qu'on lui rende compte. Littéralement, il voulait savoir ce que ses serviteurs ont fait de ce qu'on leur a confié. Il vient en discuter sur la gestion. C'est tout. Il ne voulait pas récupérer. On pourrait être choqué de la dureté de la parole. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. mais en fait, ce que nous, si on, si on regarde bien, et ce qu'on n'a pas regardé, c'est que le maître ne lui a pas, ne lui a pas retiré contre son, son gré. Hein? Car le mauvais serviteur lui a dit plutôt :« Voici, prends ce qui est à toi. Il l'a rendu de lui-même. Voici, prends ce qui est à toi. » Le maître a donné les talents à ses serviteurs. À le mot qui a été, a été utilisé ici est donné en cest à donné. Mais pas autre chose. Donner, c'est donner aux istiksaï. Reprendre ses volets. Donner, c'est offrir pour toujours. Ce qui veut dire qu'il pouvait en disposer comme il en avait envie et le faire fructifier comme bon lui semble. Le serviteur pouvait en disposer comme il en avait envie et le faire fructifier comme bon lui semble. Le maître a donné son recommandation ni exigence. Chaque serviteur est libre d'en faire ce qu'il veut de leur talent. D'ailleurs, euh, les deux autres serviteurs ont bien compris cela. Hein Par contre, le troisième a avancé l'excuse de la peur. Il est prisonnier de sa propre vision des choses. Pourquoi Parce qu'il avait une vision déformée de Dieu. Et quand on a une vision déformée de Dieu, on, est, on passe à côté de quelque chose qui peut changer notre vie. Le troisième serviteur est passé à côté de quelque chose qui aurait pu changer sa vie. Il ne voyait pas le Dieu d'amour qui a tout donné. Mais sa vision lui a dit, lui a montré un Dieu exigeant et un Dieu qui punit. Il n'a pas cru aux dons gratuits. Gratuit. mai Gratuit. J'en suis sûr qu'avec une mentalité pareille, on peut en être sûr que même si on aurait donné tous les talents au troisième serviteur, il aurait agi de la même manière. Il les aurait enterrés. Ici, Chers frères et sœurs, ce troisième serviteur ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un qui vous est bien familier je ne sais pas si je suis en train de faire un autre. Je suis en troisième serviteur. Vous connaissez ça, je vous c'est nous, chers frères et sœurs. C'est nous qui avons une fatalité. Qui avons une fatalité. C'est nous. Cette parabole est une métaphore de notre vie. La peur nous conduit au jugement, à la méfiance à être tout le temps sur la défensive et surtout à chercher tout le temps des excuses en rejetant la faute sur autrui. Dieu est un père qui a le cœur d'une mère. Dieu est un père qui a le cœur d'une mère il est plein d'amour et de grâce dieu est plein d'amour et de grâce d'ailleurs notre première lecture du jour hein, euh, proverbe 31 10 31 illustre bien cela ce texte des proverbes va peut se lire à deux niveaux au sens propre et en un sens allégorique. Ce texte vante les valeurs de la femme idéale. Ou Arna viva vienri, sa tsara, nous arum à entendre tsara ni en ni Christiane, sinfiangouna, n'entendre la smanctoum, c'est le même toupou Ni tene om ni oua, pou la nué, fita kanataran, dika. Ar sa va bon an fatara pare, dem dik zan fatini sampiang na son foulanapti refengulan, sa va de ber yavan. Fanisa nulan an rayant, Jésus Christi, ni ouva, tawan fémonan. On peut y voir aussi la sagesse divine qui assiste le croyant en toutes ses activités. Dieu cherche à faire de nous des fils, des filles, des héritiers par la grâce. Tu n'es donc plus esclave, mais fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Tu n'es donc plus esclave, mais fils, tu es aussi héritier. Chers frères et sœurs, Dieu a donné un grand trésor. Dieu a donné un grand trésor à chacun de nous. Et nous sommes tous porteurs d'au moins un talent. Nous sommes tous porteurs d'au moins un talent. Il est temps d'honorer Dieu en l'utilisant pour sa gloire. Il est temps d'honorer Dieu en utilisant nos talents pour sa gloire. N'enterrez pas vos talents. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.